Frérot, ton téléphone il a sonné, toi. Tu en as fait de la garde à vue? Non, pas comme tout le monde. Non, moi j'en ai fait, mais. Et là, non. Voilà. Et il y a la dame qui est derrière, elle a fait. Mais pourquoi il répond ça? Pourquoi? Non, mais pourquoi? Voilà, elle a parlé à la place de sa femme. Elle dit, mais pourquoi il dit ça? Tu as fait combien d'heures, frérot? 96 heures. 96 heures? Record! Et là, il va nous dire, c'est moi, Pablo Escobar. Il y avait 10 tonnes. C'était pourquoi? C'était drogue ou c'était. C'est une histoire. Je sais pas. C'est quoi? C'était plein de choses? Une prise en chasse? T'as pris en chasse quelqu'un? Ils t'ont pris en chasse? Pourquoi? Tu voulais pas t'arrêter? Pourquoi tu. En fait, tu t'es en excès de vitesse ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, même pas. J'avais des soucis. T'avais des petits soucis? Lesquels? Ouais, je pense que. Devant, il a un tueur ce qu'il a dit. Il a dit, il les a pas vus derrière le rétro. Et il pensait que c'était les feux verts, faux rouges qui changeaient. Et tu sais, les lumières bleues, il croyait que c'était. T'sais, il avait. C'est vrai en plus, c'est vrai. Le plus souvent, tu sais, quand on t'arrête, tu dis, oh, je vous ai pas vu, pardon, excusez-moi. C'est une belle fin de ça. Ouais. Tu t'es fait courser, toi. Oh là là. Tu veux nous dire pourquoi ils t'ont. Dis-nous, normal. Madame, vous savez, madame? Vous le connaissez à l'époque? Vous savez que. Oh, il est recherché, cet homme, madame. Vous le saviez qu'il avait fait de la garde à vue et tout? Vous connaissiez? C'est là où il me répond comme la chanson de Nakamura. Tu te rappelles de cette chanson? Je suis dans un voyou. Je suis dans un voyou. C'est pour ça que je ne peux pas m'excuser auprès de Dieu. Je suis tombé love d'un voyou. Je suis tombé love d'un voyou. Alors, frère, pourquoi il te coursait? Dis-nous, ah, j'ai trop envie de savoir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie de savoir. Pourquoi il te coursait, mon frère? Parce qu'avec Golan et Plagamo, je suis recherché sur ça. Golagador. C'était toi, le collègue. On sait que c'est toi, frère. Ça y est, tu sais quoi, mais j'ai vraiment envie de te dire, tu es cramé, en fait. C'est sûr que c'est pas toi? C'était quelqu'un de très recherché. Alors pourquoi t'as fait de la garde à vue si c'était ton pote qui était recherché? Parce qu'on était deux et un motard a fait un accident. Ah là, d'un coup, il y a un motard qui a fait un accident. Oh, il y a un truc qui est arrivé dans l'info, frère. Waouh! Je vais pas aller plus loin, je sens que c'est moi qui vais avoir des problèmes et on va me missionner à moi, en fait.